Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient très à cœur. Petite vidéo qui n'était pas prévue par rapport au planning, mais sachez qu'il y aura bien une vidéo demain à midi et que je vous attends vraiment parce que c'est une vidéo d'Halloween que j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que j'ai plusieurs annonces hyper importantes à vous faire. Donc je vais parler pendant 350 ans et on va y aller. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est les prochains points de meet-up et de rencontres avec vous. Je tiens d'abord à m'excuser encore auprès des membres de la Pixie Army qui viennent de Lille, puisque je n'ai pas pu être présente au meet-up du 27 septembre comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux, et je vous invite vraiment à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas, parce que c'est là que je vous préviens. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment déçues que je puisse pas venir à Lille, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai une nouvelle date. C'est dans très très longtemps, donc je tiens à ce que vous le marquiez dans vos agendas, mais je serai présente le 3 mars à Lille, ça tombe un samedi. Pour l'instant j'ai pas encore les détails, je pense que ça se fera au centre commercial Euralille comme je vous l'avais dit, dans l'après-midi. Après j'ai pas encore d'horaire etc, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pouvez être présent, si vous habitez vers Lille etc, j'aimerais beaucoup le savoir pour me faire une petite idée du nombre de personnes que je pourrais potentiellement rencontrer ce jour là l'autre annonce au niveau du meet-up, c'est que alors il n'y a pas de point de rencontre qui est prévu, mais je vais à la soirée d'Halloween. J'y vais avec ma copine Sarah Dot et je serai déguisée en Hadès. Je vais essayer de faire Hadès, mais je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je vais avoir les cheveux bleus. Si jamais vous me voyez sur le parc, vraiment venez me faire un coucou, venez discuter avec moi. Vous savez à quel point ça me fait super plaisir. J'essaierai de mettre une photo sur les réseaux sociaux, comme ça vous verrez ma tête et vous me reconnaîtrez assez facilement, parce qu'avec toutes les personnes déguisées ça risque d'être compliqué. J'ai vraiment hâte. La troisième chose dont je voulais vous parler, et là encore c'est quelque chose d'assez nouveau sur ma chaîne, c'est que cette année je suis partenaire de l'association Rêve d'enfant, qui permet aux enfants hospitalisés d'avoir le cinéma et le 7e art à l'hôpital. Je trouve que c'est une initiative qui est très importante et j'ai toujours dit que si je pouvais faire quelque chose de bien grâce à ma chaîne, grâce à ma communauté, je le ferais. C'est donc pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je suis pas une personne qui demande de l'argent etc, je suis totalement contre pour ma chaîne. Là c'est pour la bonne cause, du coup je me dis, si jamais vous avez envie de participer, si jamais vous avez envie de faire une bonne action avant Noël, je vous mets le lien de la cagnotte en barre d'infos. Donc l'opération est disponible du 1er au 15 décembre. Donc je pense que je referai des rappels sur les réseaux sociaux, sur le blog, un petit peu sur la chaîne aussi. Mais en tout cas n'hésitez pas, à la hauteur de vos moyens, si jamais vous avez envie de participer, de faire une bonne action. Sachez que le festival d'Annecy le soutient, ainsi que pas mal de sites Disney qui sont assez connus, et je suis très honorée de pouvoir faire quelque chose à mon échelle. Et voilà la Pixie Army. Et je voulais aussi vous parler de le gros sujet de cette vidéo, la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je veux vous dévoiler mon gros projet. Ça fait de nombreux mois que je travaille dessus, c'est que j'ai ouvert un forum pour la Pixie Army, pour que vous puissiez vous y retrouver, que vous puissiez papoter entre vous, que les liens d'amitié qui se sont créés continuent de pérenniser. C'est vraiment un espace pour nous, parce que je considère vraiment, et je le dis tout le temps, mais pour moi on est vraiment la meilleure communauté sur YouTube. Il y a un lien qui s'est fait au travers des vidéos, que ce soit moi avec vous mais aussi vous entre vous, et je trouve ça vraiment incroyable. Et ça faisait assez longtemps que je réfléchissais à comment est-ce qu'on pouvait faire pour se retrouver et continuer de discuter au-delà des vidéos ou de trois commentaires échangés sur les réseaux sociaux. Donc là vous avez vraiment cet espace pour vous. Vous avez donc le lien dans la barre d'infos. Qui m'a donné la première idée, la première fois que j'y ai pensé, c'est vraiment après les meet-up, quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des amitiés qui s'étaient créées. Je me suis dit, ah oui quand même, enfin c'est génial. Et après ça j'en ai parlé avec Jenny KLM. Si vous regardez les commentaires de mes vidéos, vous l'avez sûrement déjà vu, qui me disait, suite à l'article que j'avais fait sur mon poids sur le blog, que ça serait pas mal d'avoir un espace où on pourrait s'entraider, où on pourrait se soutenir au niveau du poids, parce qu'on était vraiment beaucoup au niveau des commentaires à avoir ce genre de petits problèmes. Et je me suis dit que du coup ce serait génial d'avoir cette plateforme où on pourrait à la fois discuter de Disney, de nos passions, de nos séries préférées, que les personnes justement qui se sont rencontrées en meet-up puissent s'y retrouver également pour pouvoir discuter, que pour les prochains meet-up vous ayez toutes les informations, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de pas avoir les réseaux sociaux, mais au moins sur le forum vous aurez toutes les informations. Je vous mettrai également dans la partie événements les prochaines fois que je viens au parc, comme ça vous aurez pu à me demander par commentaire ou sur les réseaux sociaux, alors Tata Pixie, tu viens le 27 novembre 2015, voilà,
comme je ne sais jamais, en plus comme ça, ça me permettra de vous mettre toutes les informations au même endroit. Vous avez cet espace qui est la Pixie Motivation, c'est vraiment la rubrique du forum que j'aime le plus et qui est la plus importante pour moi, parce que c'est la seule rubrique où même les personnes qui ne sont pas membres peuvent participer, parce que c'est un espace entre guillemets que je veux de soutien entre nous, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes, si vous avez envie d'avoir des témoignages, que vous avez envie de discuter de quelque chose qui vous tient à cœur en restant anonyme, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez le faire, c'est l'endroit où on va soutenir, où on va s'écouter mutuellement. C'est pas un endroit qui est très Disney, mais je pense que c'est quelque chose qui est important et je sais que vous, ma communauté, vous êtes vraiment au top. Vous êtes les meilleurs et je sais que cette solidarité va se créer au-delà du forum. Sachez qu'il y a 5 modérateurs. Marie-Anaïs, que vous avez très certainement vu souvent sur les commentaires. Rémi Hult, qui a aussi fait le graphisme du forum, que je trouve genre magnifique. Enfin, c'est vraiment un grand artiste. Vous avez Jenny KLM, Sissou Enwis et Sam Video, qui sont donc mes 5 modérateurs et que vous retrouverez très régulièrement sur le forum. Moi j'échangerai avec vous, mais vous allez aussi beaucoup discuter avec eux, donc c'est quand même important que vous voyez un petit peu de qui il s'agit. Sachez également que le forum est accessible à tous. C'est un forum gratuit, tout le monde peut y accéder vraiment. La seule chose que je demande, c'est d'être respectueux dans les commentaires, d'être vraiment dans cette énergie toujours positive. Vous avez le règlement qui est marqué dans la FAQ. On va vraiment pouvoir se retrouver et discuter tous ensemble et j'ai vraiment hâte. Sachez que ce sera sûrement aussi un endroit où je vous demanderai des fois de l'aide pour mes vidéos, etc. Donc si jamais vous avez envie de vous impliquer dans la Pixie Army, c'est vraiment l'endroit où il va falloir être. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, parce que je pense que c'est un sujet qui est important, c'est les vidéos de Noël. Pour ceux qui étaient déjà sur la chaîne l'année dernière, vous le savez sûrement, et le rythme des vidéos s'intensifie au mois de décembre. L'année dernière j'avais fait 24 vidéos, donc une par jour. Cette année ce sera impossible, hein, soyons honnêtes. Mais je vais quand même essayer de vous faire 2 vidéos par semaine et à chacune de ces vidéos, vous aurez un cadeau à gagner sur une plateforme différente. Donc les personnes qui me suivent sur tous les réseaux sociaux vont être privilégiées. Mais j'ai vraiment hâte de vous dévoiler ça. Donc les vidéos commenceront le 3 décembre et il y en aura donc une le dimanche à midi parce que c'est notre horaire et le mercredi à 16h. Voilà, donc je compte sur vous et j'ai hâte de vous y retrouver, j'ai hâte de voir vos réactions et j'espère que ces vidéos-là vous plairont. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Petite vidéo surprise avant la vidéo d'Halloween de demain. Si ces annonces vous font plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire si vous serez à la soirée d'Halloween, au meet-up de Lille, si vous comptez vous inscrire sur le forum, enfin j'ai vraiment hâte de vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, qui est demain, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.